Vous êtes à l'hôpital St. Jude. Vous vous rappelez? Vous étiez mort. Votre cœur a cessé de battre pendant 2 minutes. Nous sommes en quelle année? Là, on est en 2000. Ouais, on est en 2000. Et nous sommes en 2002. J'ai perdu 2 ans de ma vie, docteur. Mais votre femme peut vous aider. Et j'ignore qui tu es. J'ai perdu la mémoire. Alors, j'aimerais que vous évoquiez votre dernier souvenir. Il y avait la pluie. Ensuite, Peter. J'ai dû aller voir Peter. C'est mon frère, je vous ai parlé de lui. Peter est mort juste avant qu'on se rencontre. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai vu. Non, tu n'as pas pu le voir. J'ai prévu de vous faire passer une IRM pour s'assurer que tout va bien. Qui êtes-vous? Vous m'avez aidé! Que se passe-t-il? Il y a quelqu'un derrière cette porte! Je vais vous montrer quelque chose qui va vous rassurer. La personne qui entre, c'est moi. Quelqu'un a essayé de me tuer. C'était pas un rêve! L'inconscient est une chose remarquable. Je suis pas cinglé. Nous payons pour ce qui s'est passé. De quoi tu parles? Ta prestation est vraiment de haut niveau. Qu'est-ce que vous fuyez? Vous êtes tous dans le coup. Qu'est-ce que vous voulez? C'est bon, tu peux arrêter de simuler. T'as dit que Peter était mort? Oui, il est mort. Tu l'as tué?